Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un autre privilège d'être dans la présence du Seigneur cet après-midi. God bless you richly. It's another privilege to be in the presence of the Lord this afternoon. He has granted us another day. So let's praise Him and let's try to get closer as we don't have more time. So we can take our first song. We walk in the light as Jesus, the light of the world. You can try to find the lyrics in probably in Google. You can sing along with us. Please stand up and let's start our service. Jesus Christ, thank you. Thank you so much for this privilege that you have given us, Lord, to come once more in your presence, Lord, knowing that we don't deserve anything, knowing that we are nothing without you, Lord. But we are happy that you choose to visit us, Lord, in this age, the same as you did with Abraham, Lord. You, the big, the self-being God, the one who have been there before anything can exist in the world, the one who was feeling everything, the atmosphere, the space, you was everything, Lord, but you accepted to become a human being. You accepted to condescend yourself into a human being, Lord, so that you can come and then save us. You did it with Abraham, and we remember after you visiting Abraham, there was Sodom and Gomorrah fire that came down. And you killed people because they was unbeliever, because they didn't want to hear your word, Lord.
And we remember also with the woman, the prostitute woman, when you visit her and when you was able to discern the thought of her heart. And after that, Lord, few months after your crucifixion, you told them that when you will see these things coming, the one who's in the field should not return home. The one who's on the mountain should not come, because there will be destruction, because you will be destroyed. When they crucify him, they ask for his blood to stay on the head, on the hands, and they accepted the blood of Jesus Christ to be laid as responsibility on their own action and for their children and the children of their children. And that's exactly what happened. And we know also, Lord, when you came also in our age with Branham, when he turned his back and could discern our thoughts, Lord. Also, we have also a promise that you will be coming. But for those that do not know you, Lord, there will be again another judgment coming, Lord. So help us to be in your presence. Let every single day, Lord, to be another privilege for us to get closer to you, because we are traveling. There is someone who's still probably in the desert, and there is someone who probably already crossed Jordan, Lord, who's already in the promised land, which is the Holy Ghost. And help every single person, Lord. As we are getting close, we know there is so many fulfillment, and there is so many arguments going on. There is so many signs. Some of us see signs, some of us do not see signs. And some people are still arguing about quotations, about scriptures, Lord. Let us not be distracted by that, but let us keep our focus and keep on praising. Oh, let the name of the Lord be glorified. Start with us the service and finish the service as Alpha and Omega. I forsake your servant who will be standing here and who will be speaking on behalf of the Holy Ghost in your hands, Lord. Take him out of the way and speak through him, O Lord. Use him, Lord, to bless someone. Use him, O Lord, to baptize someone with the Holy Ghost, Lord. Use him, Lord, to deliver someone. Use him, Lord, to give solution to someone in the church, O Lord. And humble every single person who will be listening. And they may not think that they are listening from him, but they may believe that they are listening from you, Lord. Oh, come also, Lord, remove me from the way. Come and sing, Lord. You know how to sing. You know how to lead a song. Come and do it at my place, Lord. And also be with every single soul that will be listening into the word, O Lord. Come and then say amen to your word in the heart of every single person. And bless also the service of offering. And start and finish with us as often, Omega, as we have prayed and asked in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So we will take Love Lifted Me. So as I was saying, you can Google the lyrics so that you can sing along with us. Love Lifted Me. Shore, very deeply stained within.
soul. Souls in danger, look above. Jesus completely saved. He will lift you by his love out of the angry wave. He's the master of the sea. Billows his will obey. He, your Savior, wants to be me saved. So we'll be taking our last song when the servant of God will be coming. And we are also collecting offering at the same time when we are taking the last song. And you can do it right now online or you can do it later. Just make sure you don't forget so that our service can be complete. So we take He Brought Me Up. You can find the lyrics and sing along with us. Give me song. He gave me a song, plus a new song of praise. By day and by night, his notes I will raise. My heart's overflowing, I'm happy and free. I praise my Redeemer who has rescued me. Well, the song stopped unexpectedly. I still in the anointing of the song. Can we have another song? Yesterday is gone, and God have given us another day. Yesterday has gone, another day has come. Do something new.
something new in my life. Do something in my life. Oh, I pray, Lord. If I can find grace in your eyes, do something in my life. I pray. Something new. Yesterday has come. Another day has come. Another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new. I'm waiting on you. By your grace and your mercy, do something in my life. Do something new. Another day. Do something new. Speak through me today, Lord. Do something new. Do something new. And you'll seal up your word in my heart. And you'll burst on our experience. No. Something new in my life. Yes, I pray. Que le Seigneur bénisse encore l'église. So happy to be in the house of the Lord. Très heureux d'être dans la maison du Seigneur. And you may be seated if you are standing. Je veux vous asseoir si vous êtes debout. I was actually working through We are working on the songs book. Alors nous the travaillons. Song book for Mount Zion. Nous travaillons sur le livre de cantiques pour Mount Zion. And there were songs that I was going through. Alors il y a des chansons que je parcourais. And before putting a songs in there, I go to YouTube to find it first, listen to it. Before I could put it there. Alors avant de mettre une chanson dedans, j'allais par exemple sur YouTube et essayer de l'écouter avant de la mettre. Because I just didn't want to have songs there that people cannot sing. Parce que je voulais pas simplement avoir de chansons là que les gens ne peuvent pas chanter. So we have put it songs in English and also songs in French. About 150 songs in French. Alors on a 150 chansons en français, donc il y a des chansons en français et en anglais. But in English, there's more songs, of course. Mais c'est plus de chansons anglophones. We wanted to make sure that people, when they are home, they could, those who cannot sing in English, they could use the French portion to sing. On voulait s'assurer que ceux qui ne peuvent pas chanter en anglais peuvent utiliser la partie francophone pour chanter. But while I was editing the book, the song book. Mais lorsque j'étais en train d'éditer le livre de chansons. And I fell up on a song. Et je suis tombé sur une chanson. And that song just took me up. Like I was in the office and I started singing and tapping on the desk and I said, "My God, what's going on today?" Et cette chanson s'est saisie de moi. J'étais dans mon bureau, je commençais à chanter, à danser, à battre mes mains. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? The title of the song is "Happiness is the Lord." Le titre de la chanson c'est "La joie est Dieu. Le bonheur c'est Dieu." Et du Seigneur. Et du Seigneur. Happiness is the Lord. That's what it means. Le bonheur est du Seigneur. Amen. So you cannot have happiness outside the Lord. Alors tu ne peux pas avoir la joie en dehors du Seigneur.
Alléluia. Amen. Some people have happiness in nonsense. Certaines personnes ont le bonheur dans des futilités. But we have happiness in the Lord. Mais nous avons le bonheur dans le Seigneur. When you are forgiven, there's happiness. Quand tu es pardonné, il y a un bonheur. To know that somebody died for you, there's happiness. Savoir que quelqu'un est mort pour toi, c'est un bonheur. To know somebody paid the price, paid the debt that I could not pay, that gives joy. Savoir que quelqu'un a payé le prix que je ne pouvais pas payer, ça c'est la joie. Amen. Amen. And I was so happy, it was yesterday, I think when I was talking to my children. Et j'étais aussi content, je crois que c'était hier quand je parlais à mes enfants. No, that was this morning, I think, yeah. Non, je pense que c'était ce matin. And now, when, you know, family prayer, I was saying that one of this morning, the morning shall break eternal and fair. Alors je disais one que morning, l'un de ces matins, the morning will break eternal and fair. Le matin va briser. Le matin s'élèvera, hein, dans sa s'élèvera splendide dans toute sa beauté. Amen. And it's going to be an eternal morning. Et ça sera un matin éternel. Alléluia. Amen. And I was telling them, I said I want to join that band. Alors je leur disais que je chante, je veux devenir membre de cet orchestre. That band that is on the other side. Je veux joindre cet orchestre qui est de l'autre côté. Ce groupe de gens. Ce yeah. groupe de gens qui est de l'autre côté. You know, there are people of they have crossed Jordan. Vous savez, il y a des gens qui ont traversé Jourdain. And they have happiness and joy. Et ils ont la joie et le bonheur. They don't experience the cares of this life anymore. Ils n'expérimentent plus les soucis de ce monde. So I said, why would somebody love to live on earth? Alors je me disais, pourquoi est-ce que quelqu'un va se réjouir de vivre sur terre? Mm-hmm. And not to join that band on the other side. Et n'est pas rejoindre cet autre groupe de l'autre côté. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, that the other side. Frère Branham dit de l'autre côté. He did not have words to explain it. Il n'avait pas assez de mots pour exprimer ce qu'il a vu. And I was sharing my family. I said. Et je partageais avec ma famille. Je disais. You see, our language. Vous voyez notre langage. Is defined or is inspired by the three dimensions we're living in. Est inspiré par les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. And it's a language that is based on comparison. Et c'est un langage qui se base sur la comparaison. When I say red, you have an idea of what red means. Quand je dis rouge, vous avez l'idée de ce que rouge veut dire. When I say blue, you have an idea of blue because you can see blue. Quand je dis bleu, vous avez l'idée de ce que bleu veut dire parce que tu es capable de voir bleu. When I say wood, you have an idea of what I mean by wood. Quand je dis bois, tu as l'idée de ce que cela veut dire par bois. When I say a house, you have an idea of what does it mean to have a house. Quand je dis une maison, tu as l'idée de ce que cela veut dire avoir une maison. If I say the ocean, you have an idea of the ocean. Quand je dis un océan, tu as l'idée de l'océan. Everything that we have here, tout ce que nous avons ici, is the dimension of where we can contact. So it's a time and matters and light. Tout ce que nous avons ici, c'est la dimension de ce avec quoi on peut interagir, le temps, la matière et la lumière. Et la lumière. Amen. Amen. But mais, the heaven mais le ciel is another dimension. C'est une autre dimension. And there's no language et il n'y a pas de langage to describe heaven. Pour décrire le ciel. Because heaven goes beyond the realm of the mortal. Parce que le ciel va au-delà du langage humain. The realm. Va au-delà de la réalité humaine. De l'atmosphère là où vivent les humains. Amen. Amen. So you see, you cannot grasp realities of heaven. Alors vous ne pouvez pas saisir la réalité du ciel. So they can preach you about heaven. Alors on peut vous prêcher à propos du ciel. They can preach you about the Holy Ghost. On peut vous prêcher à propos du Saint-Esprit. But you look at Hollywood. Mais vous regardez à Hollywood. You look at Instagram. Vous regardez à Instagram. You look at social media. Vous regardez aux réseaux sociaux. You can call it paradise. Et tu peux appeler ça un paradis. Like people, they go to Hawaii. Comme les gens vont à Hawaii.
And they took a nice beach. Et ils trouvent une belle plage. With nice cottages. Avec de belles maisons. And they said, ils disent, this is paradise. Ça, c'est un paradis. And until they even don't know what paradise looks like. Jusqu'au point où ils n'ont aucune idée de ce que à quoi ressemble le paradis. People go and have nonsense they call it paradise. Les gens vont avoir des futilités, ils appellent ça paradis. They go and skiing half naked and they drink and they dance, they say this is paradise. Ils vont faire du ski en moitié nu, ils dansent, ils boivent et ils disent ça c'est paradis. So there's no word. Donc il n'y a pas de mot in humankind dans la race humaine to describe heaven. Pour décrire le ciel. It's so sublime. C'est tellement sublime. Beyond words. Au-delà des mots. That reason when Brother Branham came back. Raison pour laquelle lorsque le frère Branham est revenu. After going the other side. Après qu'il soit parti de l'autre côté. He couldn't explain it. Il ne pouvait pas expliquer. He said there's no words to explain it. Il a dit il n'y a pas de mots pour exprimer. Alléluia. And what we are experiencing here on earth. Et ce que nous expérimentons sur terre. Is not half of the joy that is found in heaven. N'est même pas la moitié de la joie qu'on trouve dans le ciel. So. There's no way to convince somebody on how heaven is great. Alors il y a pas moyen de convaincre quelqu'un sur combien le ciel est merveilleux. There's no words you could use to convince a person how great heaven is. Il y a pas de mots à utiliser pour convaincre quelqu'un à savoir comment le ciel est merveilleux. I can show pictures of Paris, pictures of China, pictures of Canada. Now that you see bridges and you are kindled. You want to go there. I want to go and live there. I want to go to that place. Je peux vous montrer le photo de la Chine, de la France, du Canada. Vous voyez des ponts et vous avez envie d'y aller. They show you pictures of Dubai and little video clips and fun and water parks. You say, wow, wow. I want to go there. On vous montre les photos de Dubaï, les attractions de l'eau, le paysage. Vous dites, je veux aller là-bas. But there's no picture of heaven. Mais il n'y a pas une photo du ciel. There's no video clip of heaven. Il n'y a pas un clip vidéo du ciel. That I could send through YouTube or in social media that people could see, oh, this is heaven. Que je peux vous envoyer par YouTube aux réseaux sociaux pour que les gens disent, oh, ça c'est le ciel. But God. Mais Dieu can give you the revelation of heaven. Peut te donner la révélation du ciel. Because these are things eyes have not seen. Parce que ça, ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Ears have never heard. Les oreilles n'ont jamais entendu. But God can bring realities of heaven down in your heart. Mais Dieu peut amener les réalités du ciel dans ton cœur. And make heaven so real. Et rendre le ciel si réel. And you see everything around you, you see it garbage. Jusqu'à ce que tout ce qui t'entoure devient poubelle. Amen. So heaven is sublime. Donc le ciel est sublime. It goes beyond the three dimensions where human live. Ça va au-delà de trois dimensions dans lesquelles l'humain vit. That reason by faith. Raison pour laquelle par la foi. God can open a little bit. Dieu peut ouvrir un tout petit peu. Hallelujah. Amen. Brother Branham said. Frère Branham dit. If God can just open just a little bit like this and to show a little bit just of heaven, just a little bit like this. Frère Branham dit si Dieu peut ouvrir juste un tout petit peu comme ça pour que tu vois le ciel. He said that will change your life forever. Il dit cela va changer ta vie pour toujours. You'll never be the same person. Tu ne seras plus jamais la même personne. Now listen, church. Maintenant suivez Église. The same way is hell. La même façon est que l'enfer. Hell goes beyond the three dimensions where man lives. L'enfer va au-delà de trois dimensions dans lesquelles l'humain vit. And if they explain to you how bad hell is, et si on vous expliquait combien l'enfer est mauvais, you'll never grasp it. Tu ne vas jamais le saisir. Even if somebody goes to hell and come back, you still won't get it. Même si quelqu'un allait en enfer et revenait, tu ne vas toujours pas comprendre. It's hard. C'est difficile. You see people go and they get drugs and prostitutions and lies and different things. Tu vois les gens qui vont faire la drogue, la prostitution, le mensonge et différentes choses. But I know if they would have seen videos of hell. Je crois que s'ils auront vu des vidéos de l'enfer. Even those who say I don't believe God. Même ceux-là qui disent « Je ne crois pas en Dieu. » I'm an atheist, I don't believe God. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. If they would have experienced hell one time, s'ils auront
expérimenté l'enfer une seule fois. They looked for God as quick as possible. Ils auront cherché Dieu au plus vite que possible. Alléluia. Amen. But people cannot realize how bad hell is. Mais les gens ne peuvent pas réaliser combien l'enfer est mauvais. But the Bible says, mais la Bible, all those things, toutes ces choses, we believe by faith. Nous croyons par la foi. Amen. And faith has brought those realities unto us. Et la foi a apporté ces réalités à nous. So those things are real, my friend. Donc ces choses sont réelles, mon ami. There's going to be a morning that will break eternal and fair. Il y aura un beau matin qui se lèvera dans sa splendide et qui va exister pour toujours. Hallelujah. And it will be an eternal one. Et il sera éternel. There will be no more darkness. Il n'y aura plus d'obscurité. In that city where the lamb is the light. Dans la cité où l'agneau est la lumière. In that city where there cometh no night. Dans la cité où il n'y a pas de nuit. I've got a mansion over there. J'ai un beau cité là-haut. They tell you roads are sweet and paved in gold. On vous dit que les rues sont pavées d'or. In pure gold, you can't even understand it. What does it mean? Dans l'or pur, tu ne peux même pas comprendre ce que cela veut dire. And they tell you the house and who has built that house with what kind of materials? Et les maisons, qui a construit les maisons avec quel matériel? And they tell you in that civilization there will be no airplane. Et on vous dit que dans cette civilisation, il y aura pas d'avion. We won't need shoes. On n'aura pas besoin de chaussures. Hallelujah. We won't have to kill the crocodile to have his skin to make shoes. On n'aura pas besoin de tuer les crocodiles, avoir sa peau pour faire de chaussures. We won't have to kill a cow to get his skin to make shoes. On n'aura pas à tuer le bœuf pour prendre sa peau faire les chaussures. But what kind of city is this? C'est quel genre de cité? Where there cometh no night. Là où il y a pas de nuit. It's day. C'est le jour. An eternal day. Un jour éternel. There's a coming a day. There's a coming a day. Il y a un jour qui vient. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. These are realities, brothers. Ça, ce sont des réalités, frères et sœurs. Amen. So as you live on earth, alors que tu vis sur terre, don't think that this is the end. Ne pense pas que ceci est la fin. Don't think this is the great experience you may ever experience in this life. Ne pense pas que ça c'est la plus meilleure expérience que tu peux expérimenter dans cette vie. No, there are greater experiences. Non, il y a plus grande expérience. That goes beyond earthly. Dimensions. Qui va au-delà de la dimension terrestre. Heavenly dimensions. La dimension céleste. Because God said we are now sitting with Christ in heavenly places. Parce que Dieu dit nous asseyons maintenant avec Christ dans les endroits so, célestes. Heaven becomes a reality to you. Alors le ciel devient une réalité pour toi. And you can start singing, this is like heaven to me. Et tu peux commencer à chanter, ça c'est comme le ciel. This is like heaven to me. Ceci est comme le ciel pour moi. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land. J'ai traversé de Jourdain à Canaan. And this is like heaven to me. Et ceci est comme le ciel pour moi. Hallelujah. We scream and we shout. Nous crions et nous nous réjouissons. We jump. Nous sautons. I say glory. Je dis gloire. We experience something people cannot experience. Nous expérimentons quelque chose que les gens ne peuvent pas expérimenter. God has given us a joy that money cannot give. Dieu nous a donné la joie que l'argent ne peut pas donner. He has given us a joy that materialistic things cannot give. Il nous a donné une joie que les choses matérielles ne peuvent pas donner. He has given us peace that nothing in the world can give. Il nous a donné la paix que rien ne peut nous donner dans ce monde. In a way that though we have, we don't have, we still have joy with the Lord. Jusqu'au point où que nous ayons ou pas, nous avons toujours la joie en I Dieu. Am happy in the Lord anyway. Je suis heureux en Dieu, peu And importe will, quoi. It doesn't matter C'est importe peu. What comes my way today. Qu'est-ce qui va passer par mon chemin aujourd'hui? I'm gonna wear a smile. Je veux toujours porter mon sourire. I'll lift up my head and say I'm happy in the Lord anyway. Je veux élever ma tête et dire je suis heureux en Dieu de toutes les façons. Amen. Amen. God bless you. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. And today, et aujourd'hui, we are going to continue with the angel of the covenant. On va continuer avec l'ange de l'alliance. After preaching last Sunday, après avoir prêché le dimanche passé, I realized that I've got some questions. Je me suis rendu compte qu'il y avait des questions. And I realized that they need to come back. Et je me suis rendu compte que je dois But revenir. I don't want to go too fast. Je ne dois pas y aller trop vite. I want to go slowly. Je veux y aller lentement. And I need your attention. Et je veux que vous soyez attentifs. Because this is very important. Parce que ceci est très important. The deity is a very important subject.
Ceci est un sujet très important. That the first revelation somebody must receive. C'est la première révélation que quelqu'un doit recevoir. You should never be confused. Vous ne devez jamais être confus. When it comes to deity. Quand il est question de la divinité. De la divinité. And they ask you, who is God? Et on vous demande qui est Dieu. God, who is Jesus? Qui est Dieu? Qui est Jésus? But who is Jesus today? Mais quelqu'un vous dit qui est Jésus Jesus aujourd'hui? Today. Jésus aujourd'hui. Jesus today. Jésus aujourd'hui. But Jesus today is as he was yesterday. Amen. Jésus aujourd'hui, il est le même tel qu'il était hier. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. And is identified by the same characteristics. Il s'identifie par les mêmes caractéristiques. Hallelujah. Amen. It's the same. C'est le même. It's not a different God. Il n'y a pas un Dieu différent. We shouldn't be confused. Nous ne devrons pas avoir de la confusion. You should know who is your God. Tu dois savoir qui est ton Dieu. You should know who is your Redeemer. Tu dois savoir qui est ton Rédempteur. You should know who paid the price for you. Tu dois savoir qui a payé le prix who pour is toi. It that died for you. Qui est-il qui est mort pour toi? It is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. And that's the reason. Et c'est la raison pour laquelle we as his bride, nous comme son épouse, we take on his name. Nous portons son nom. We take on the name of the bridegroom. Nous héritons du nom du mari. And his name is the word. Et son nom c'est la parole. And we become the bride word. Et nous devenons l'épouse parole. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you Jesus. Let Merci us stand. Jésus. Nous allons tenir debout. And have a word of prayer. Et dire un mot de prière. Our gracious Heavenly Father, notre gracieux Père Céleste, we thank you for your love and grace, nous te remercions pour ton amour, ta grâce, for the opportunity you have given us, pour l'opportunité que tu nous as donnée, to come once again in your presence, de venir une fois de plus dans ta présence. Lord, I pray that you bless this service. Seigneur, je prie que tu bénisses ce service, you bless your children, oh God, que tu bénisses tes enfants, oh Dieu, wherever they are in their homes, où qu'ils soient chez eux. Let the Holy Ghost break through the walls, puisse le Saint-Esprit traverser les murs and touch them, et les toucher. Speak to them. Parle-leur. Break the word of life in their hearts. Décortique la parole dans leur cœur. Reveal them your thought, Lord Jesus. Révèle-leur tes pensées, oh Dieu. Take all confusion out of the minds of your people. Ôte la confusion des pensées de ton peuple. Let the mind that was in Christ. Laisse que la pensée qui était en Christ be revealed to them, Lord. Soit révélée à eux. Father, heal the sick among us. Père, guéris le malade parmi nous. Comfort those who are in very different challenges and situations in their lives. Reconforte ceux-là qui traversent des situations dans leur vie. Lord, those who are waiting for answers from immigration, Lord, that you may move on the scene and do great miracles in our midst, oh Father. Ceux-là qui attendent la réponse, descend sur la scène et fais de miracles parmi nous, Père. Father, we thank you for your love and grace. Père, nous te remercions pour ta grâce, ton amour. As we see the prophecy being fulfilled. Tel que nous voyons la prophétie s'accomplir. As your prophet said, they shall rise a woman. Comme ton prophète dit, il faudrait qu'une femme se lève. Il se peut que ce soit un président, une vice-présidente des États-Unis. Ce sera une femme jolie. And she's going to be wearing a purple kind of queen dress style. Elle aura un habillement royal de couleur violet. And that is going to happen just before the end. Et ceci va prendre place juste et avant la fin. Today, this scripture is fulfilled. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. And we know, Father, today we have a president in the United States that is a Catholic. Et nous savons aujourd'hui, Père, que nous avons un président aux États-Unis qui est catholique. And we don't know how long we have to live on earth. Et nous ne savons pas pour combien de temps nous aurons à vivre sur terre. But, Father, as we see darkness being pressed by the morning star. Mais Père, alors que nous voyons l'obscurité se compresser par l'étoile du matin, you promised, Lord, tu as promis, Dieu, before the sun comes, qu'avant que le soleil ne vienne, you shall give unto us the morning star. Tu nous donneras l'étoile du matin. You shall give us a reflection of yourself. Tu vas nous donner le reflet de toi-même. There's going to be a people rise. Il y aura un peuple qui va s'élever. God in the third pool. Seigneur, dans le troisième puits, there shall be people rise. Il y aura un peuple qui va s'élever. And there shall be the showdown of Mount Zion. Et ils seront la démonstration de Mont Sion. They shall fulfill the Bible to the letter. Ils vont accomplir la Bible à la lettre. There should be a squeezing time. Il faudrait qu'il y ait un moment de pression. There should be a time
something that will trigger this to happen, Lord. Il devrait y avoir un temps qui va déclencher ces choses. But we know for sure. Père, nous savons certainement that power is in the bride right now. Que cette puissance est dans l'épouse maintenant. Just waiting for the trigger. Attendons simplement d'être déclenché. Oh God, help us, we pray. Oh Dieu, aide-nous, nous prions. As we wait upon thee. Alors que nous nous attendons à toi. In the name of Jesus, we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. As you are standing, alors que vous êtes debout. Let's open our Bible again in Exodus chapter 23. Ouvrez vos Bibles dans Exode 23, pardon. And I will want you to follow because I'm going to go into Genesis before the beginning. Je veux que vous suivez parce que je vais aller aussi en Genèse avant le commencement. No, we are going to go not in the book of Genesis, but we are going to go just in the beginning. Parce que nous allons traverser dans le Genèse, c'est-à-dire avant le commencement. Exodus 23. Exode 23. Verse 20. À partir du verset 20. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. My name is in him. Mon nom est en lui. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee and bring thee into the Amorites, the Hittites, the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Amen. Amen. May the Lord bless the reading of the word. You may be seated. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. So we are again going through the message on the angel of the covenant. Alors nous allons encore parcourir le message l'ange de l'alliance. I wanted to move on. Je voulais continuer. But I decided to step back a little bit. Mais je me suis décidé de revenir en arrière un tout petit peu. So that we can get everybody together and then move all of us together. Pour que nous puissions attraper tout le monde et que nous puissions évoluer ensemble. We don't want to move on and some people are sitting in the back there. Oh, I'm lost. I don't understand what pastor is talking about. On ne veut pas évoluer alors qu'il y a quelqu'un derrière qui dit je suis perdu, je sais pas de quoi le pasteur parle. So we read last Sunday. Alors nous avons lu le dimanche in passé. In Exodus chapter 3. Dans Exode chapitre 3. Where God spoke with Moses. Là où Dieu a parlé avec Moïse. He said, I've surely seen the affliction of my people. Il a dit, j'ai certainement vu l'affliction de mon peuple. Which are in Egypt. Qui sont en Égypte. And I've heard their cry. Et j'ai écouté leurs pleurs. By the reason of their taskmasters. Par le maître de corvée. So we see that it was an exodus there. Alors nous nous rendons compte que c'était une sortie là-bas, c'était un exode là-bas. And God came down. Et Dieu est descendu. To deliver the people. Pour délivrer le peuple. Because he told Moses. Parce qu'il a dit à Moïse. I have come down. Je suis descendu. I am come down to deliver out. To deliver them out of the hand of the Egyptian. Je suis descendu pour les délivrer de main des Égyptiens. So God came down. Dieu est descendu. He said, I am come down. Il a dit, je suis descendu. To deliver them. Pour les délivrer. I God. Moi Dieu. Came down. Est descendu. To deliver them. Pour les délivrer. I God. Moi Dieu. Came down. Est descendu. To bring them out of that land. Pour les amener en dehors de and ces to terres. Take them to another land. Et les amener à une autre terre. I will take them. Je vais les amener. Out to a land flowing with milk and honey. Dans une terre où coule le lait et le miel. God said, I will be there myself. Dieu a dit, je serai là moi-même. And already in the message, gifts and callings are without repentance. Et dans le message, le don et les appels sont sans repentance, frère Branham dit. It said that Moses did nothing. Il dit, Moïse n'a rien fait. It was the angel of God. C'était l'ange de Dieu. Is that right? What did he look like that led Israel? De quoi il avait l'air quand il a conduit Israël? A pillar of fire by night. Une colonne d'effet la nuit. And a cloud by day. Et une nuée le jour. I believe he's still leading on. Je crois qu'il continue à conduire. We know that was the angel of the covenant. Nous savons que c'était l'ange de l'alliance. Is that right? Est-ce correct? Then he said it was the Logos. Et il dit c'était Logos. Or the Christ.
où le Christ, the angel of the covenant, l'ange de l'alliance, was the Logos, était Logos, was the Christ, était le Christ. He's still the same, il est toujours le même, leading the people today, qui conduit le peuple aujourd'hui, as he was then, tel qu'il était auparavant. Alléluia. Amen. These are great teaching, brothers and sisters. Ça, ce sont de bons enseignements, frères et sœurs. So the angel of the covenant, donc l'ange de l'alliance, Brother say was Jesus Christ. Frère Branham dit c'était Jésus Christ. Before he was in a body. Avant il était dans, avant qu'il soit dans le corps. In a body of flesh. Avant qu'il soit dans les corps de chair. Before he was in a body born of a woman. Alors avant il était dans une chair née de la femme. Let's put it that way. On va le mettre de cette façon. Before he appeared sometimes in a body of flesh. Avant qu'il n'apparaisse dans un corps Because de chair. Sometimes he appeared in a body of flesh. Parce qu'il y a quelque temps dans le passé où il est apparu dans un corps de chair. But I'll say in a body or vein of a woman. Mais là je dis dans le corps de chair né d'une femme. When he came as a sacrifice. Quand il est venu comme un sacrifice. As the Lamb of God. Comme l'agneau de Dieu. For your sin. Pour vos péchés. Amen. Brother Branham says, Frère Branham dit, in the message demonology, dans le message démonologie, he was praying, il priait, he said, but God, il dit Dieu, grant it to be all right accorde, with every person here tonight. God, accorde assez que tout le monde qui est ici cet après-midi. I pray that you'll send your angel now. Je prie que tu envoies ton ange maintenant. The messenger from God. Le messager de Dieu. Who reveals the thoughts of God to human hearts? Qui révèle la pensée de Dieu aux cœurs humains? In other words, dans d'autres mots, so Brother Branham, Frère Branham says he that revealed the thoughts of men, dit lui qui révèle les pensées des hommes, was the messenger of God. Était le messager de Dieu. Amen. Amen. So the angel of the Lord, donc l'ange du Seigneur, is the same as même. The angel or the messenger of the covenant. Est le même que l'ange de l'alliance. Le messager de l'alliance. Que le messager de l'alliance. I'll go slowly where we get some, because I want to go back to what God was in the beginning, before the beginning. Je vais y aller lentement parce que je veux revenir là où c'est que était Dieu au commencement. The angel of the Lord, l'ange de l'Éternel, will never be Brother Branham. Ne sera jamais Frère Branham. The angel of the Lord, l'ange du Seigneur, is God himself. C'est Dieu lui-même. Now, in the message, Moses, alors dans le message Moïse, preached in 1950, the 10th of January, Brother Branham says, the angel, Frère Branham dit l'ange, was to be his leader, était supposé être son conducteur. The angel performed the miracles. L'ange a opéré de miracles. Moses never performed any miracle. Moïse n'a jamais opéré de miracle quelconque. The angel of God in Moses. L'ange du Seigneur en Moïse performed the miracles. A opéré de miracles. I could say today, je pouvais dire aujourd'hui, the angel of God in Branham, l'ange du Seigneur en Branham performed the miracles. A opéré des miracles. It's the same there. C'est le même. You see what I mean? Vous voyez de quoi je the parle? Angel of the Lord, l'ange du Seigneur was with him. Était avec lui. The angel, l'ange, led them, les a conduits, performed the miracles. A opéré des miracles. Now God, maintenant Dieu, as always, by all men, through the scripture, through all ages, is ordained that angels should guard the people. A toujours par tous les hommes, au travers des âges, ordonné à ce que les hommes, que l'ange puisse conduire le peuple. So what I'm trying to show you here, alors c'est que j'essaie de vous montrer ici, that God, que Dieu, in the first Exodus, dans le premier Exode, as the pillar of fire, comme colonne de feu, that came, qui est venu, to take the children of Israel, prendre le peuple d'Israël, out of the land of Egypt, en dehors de la terre d'Égypte, to the promised land, à la terre promise. And God said, I, God, et Dieu a dit, moi, Dieu, came down, est descendu. And we see that is an angel, et nous voyons qu'il y a un ange, because God is invisible, parce que Dieu est invisible. Keep that in mind. Gardez ceci en God pensée. Is invisible. Dieu est invisible. Nobody can see God and live. Personne qui peut voir Dieu et vivre. So if God comes down, alors si Dieu descend, he has to amorpher himself. Il doit s'amorpher lui-même. Il doit amorpher lui-même.
He has to come in a certain form. Il doit venir sous une certaine forme. Because for God to step out of invisibility. Parce que pour que Dieu sorte de l'invisible. To make himself visible. Pour se rendre visible. He must take a form. Il doit prendre une forme. He must veil himself. Il doit se voiler. He must be behind the veil. Il doit être derrière le voile. No man has ever seen God. Il n'y a aucun homme qui n'ait jamais vu Dieu. And no man will ever see God. Et aucun homme ne verra jamais Dieu. You only see God behind the veil. Tu ne peux voir Dieu que derrière un voile. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Hallelujah. Amen. So God, alors Dieu, when he came down, quand il est descendu, he came as an angel. Il est venu comme un ange. The angel of the Lord. L'ange du Seigneur. He came as an angel of the covenant. Il est venu comme l'ange de l'alliance. Because Israel, parce que Israël, was a covenant people. Était un peuple d'alliance. God made a covenant. Dieu leur a fait une alliance. So he came down. Donc il est venu. We'll go further with that next time about the angel of the covenant, but I'm doing the foundation. On va évoluer avec l'ange de l'alliance prochainement, mais je crée un fondement. Mais Dieu est venu. Down. Descendu as a messenger. Comme messager. God and morphe. Dieu amorphe. God. Dieu. Playing the role of. Jouant le rôle de. Amen. Amen. Now we see, let's go back now to the beginning. Alors que nous revenions au début. Before Brother Branham said. Frère Branham dit, if you have a book, if you have a notebook, please take notes so you are not mixed up. Si tu as de notes, prends notes pour que tu ne puisses pas te perdre. This is number one. Ceci c'est la première des choses. Don't forget that. N'oublie pas. Number one. La première des choses. God. Dieu. Was not even God. N'était pas encore Dieu. Because God. Parce que Dieu. It's an object of worship. C'est objet d'adoration. God. Dieu was Elohim, était Elohim, the self-existing one, c'est lui qui existe par lui-même, before he became God, avant qu'il ne devienne Dieu. Alléluia. Amen. So he was Elohim, il était Elohim, the self-existing one, c'est lui qui existe par lui-même, the fountain of life, la fontaine de vie, that great spirit, c'est grand esprit, that covers the whole universe, qui couvrait tout l'univers. And he was invisible. Et il était invisible. He was by himself. Il était par lui-même. Amen. Amen. Then God. Et ainsi Dieu. He stepped out of invisibility. Est sorti de l'invisibilité. To make himself visible. Pour se faire visible. That's what we call condescending. C'est ce qu'on appelle la condescendance. God condescended. Dieu a fait la condescendance and step out of invisibility et est sorti de l'invisible to become visible. Pour devenir visible. So when Elohim, alors lorsque Elohim, who was the great spirit invisible, qui était le grand esprit invisible, that no man can see, qu'aucun homme ne pouvait voir, that no man has ever seen, qu'aucun homme n'ait jamais vu, he himself, lui-même, and amorphé himself into a form, s'est fait amorphe sous une forme, to veil himself in there, pour se voiler là-dedans. So in a way that when you see that form, afin que quand tu vois cette forme, you have seen him, tu l'as vu, because you can't see him and live, parce que tu ne peux pas le voir et vivre, but he must veil himself, mais il doit se voiler, in a certain veil, sous un voile, in a light, dans une lumière, maybe in a whirlwind, peut-être dans un tourbillon. Hallelujah. So God has to veil himself. Donc Dieu doit se voiler. Or maybe behind a skin. Peut-être derrière une peau. Hallelujah. Amen. God has to veil himself. Dieu doit se voiler. So listen. Suivez. This is the message preached in 1964. Ça, c'est le message prêché en 60. Question and answer. Question et réponse de 64. Take note. Prenez note. Don't be confused now. Ne soyez pas confus maintenant. When you are listening, lorsque vous suivez, take note. Prenez note. Alléluia. Amen. Elohim, Elohim was his first existence.
Et celui qui a existé premier. The self-existing one. Celui qui existe par lui-même. Brother Branham said the message, question and answers. Frère Branham dit dans la prédication, question réponse. Preached in 1964. Prêché en 1964. The 23rd of August. Le 23 août. Paragraph 105. Paragraphe 105. I'm reading. Je veux lire. In the middle somewhere. Now. Maintenant. That pillar of fire. Cette colonne de feu. Is the logos. C'est le logos. That went out of God. Qui est sorti de Dieu. The logos. Le logos. Which is actually. Qui est d'ailleurs. The attribute of the fullness of God. L'attribut de la divine, de la plénitude de Dieu. When God became into a form where it could be seen. Lorsque Dieu est entré dans une forme où il pouvait être vu. Alléluia. So God was in invisibility. Donc Dieu était dans l'invisible. Now. Maintenant. The great God. Le grand Dieu. The great Elohim. Le grand Elohim. Stepped out of invisibility. Est sorti de l'invisible. Because he is invisible. Parce qu'il est invisible. Now he wants to take a form that people could see him. Alors maintenant il veut prendre une forme où les gens peuvent le voir. And Brother Branham said that form. Et Frère Branham dit cette forme. Was the attribute of God's fullness. Était l'attribut de la plénitude de Dieu. That means, c'est-à-dire, when you see it, lorsque vous le voyez, it's the fullness of God. C'est la plénitude de Dieu. Alléluia. It's the fullness of God. C'est la plénitude de Dieu. Now you may wonder. Alors vous pouvez vous poser la question. But what happened there? Qu'est-ce qui s'est passé? God remained invisible. Dieu est resté invisible. You cannot see him. Tu ne peux pas le voir. But he can use a form. Mais il peut emprunter une forme. To reveal his fullness. Pour révéler sa plénitude. And say that form. Il dit cette forme. Was the attribute of God's fullness. C'était l'attribut de la plénitude de Dieu. When God become into a form. Lorsque Dieu vient dans une forme. To where it could be seen. Où il peut être vu. Alléluia. He said it was the anointing of the great spirit that went forth. C'était l'onction de l'esprit qui est sorti. Alléluia. We have received a prophet. Nous avons reçu un prophète. Brother Branham is giving so many definitions now. Frère Branham a donné beaucoup de définitions là. Elohim. Il a dit Elohim. When he stepped out of invisibility. Lorsqu'il est sorti de l'invisible. And morphed himself. Et se fait amorphe. And in that form, et dans cette forme, it was a pillar of fire. C'était la colonne de feu. And that form, et cette forme, was the logos. C'était logos. And that form, et cette forme, was the attribute of the fullness of God. C'était l'attribut de la plénitude de Dieu. That form, cette forme, was the anointing of the great spirit. Était l'onction du grand esprit. Hallelujah! That went forth. Qui est sorti. Branham said it's condescending. Frère Branham dit il condescend. Coming down. Descendre. God. Dieu. The Father. Le Père. The Logos. Le Logos. That was up over Israel. Qui était là avec Israël. So when the children of Israel saw the pillar of fire. Alors lorsque le peuple d'Israël a vu la colonne de feu. It was God. C'était Dieu. Because there's no way you could see God. Parce qu'il n'y avait pas moyen de voir Dieu. It must be behind the veil. Il doit être derrière un voile. To step into visibility. Pour entrer dans le visible. For you to see God. Pour que vous voyez Dieu. It must be behind the veil. Il doit être derrière un voile. Alléluia. Amen. You are looking for a job. Vous cherchez du boulot. Or you want God to do something for your situation. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour votre situation. You pray, you pray, you pray. Vous priez et priez. And you say, "Oh, God has answered me." Et vous dites, oh, Dieu m'a répondu. You say, "God came down." Dieu est descendu. How did God do it? Comment est-ce que Dieu l'a fait? He acts always behind the veil. Il agit toujours derrière un voile. His mercy is revealed through human flesh. Sa miséricorde se révèle toujours par la peau, la chair humaine. You can't help it. Tu ne peux pas changer cela. You want to see something coming that you don't know, you don't even see it. Tu veux voir quelque chose qui vient sans que tu le vois. And then deliver you. Et te délivrer. No. Non. Even when God appeared, même quand Dieu apparaît, he has to come either as a wind or as a light
oh, actually as a human form. Il doit venir ce soit comme le vent, comme l'éclair, ou encore dans une chair humaine. Alléluia. Amen. Do you understand that? Say amen. Vous comprenez cela? Dites amen. He said he was holy. Il dit qu'il était saint. Could not bear sin. Il ne pouvait pas supporter le péché. There had to be a blood offering right in Eden. Il fallait qu'il y ait du sang en Eden. Then that logos. Ce logos. Become flesh. Est devenu chair. Oh my God. That which came out of God. Ceci, c'est celui, that which came out of God. C'est ce qui est sorti de Dieu. The logos. Le logos. The pillar of fire. La colonne de feu. Became flesh. Devenant chair. I'm going to read you scriptures in the Bible. Let me go slowly. Je vais vous lire les écritures dans la Bible. On va y aller lentement. And dwelt among us. Et a habité parmi nous. And where this logos. Et ce logos. Dwelt in a human body. A habité dans une chair humaine. Which was the sacrifice. Qui était le sacrifice. So God in the beginning. Donc Dieu au commencement. Was a spirit. Était un esprit. And from that, et de là, went out the logos. From there went out the logos. Et de là est sorti le logos. It was also the theophany. C'était aussi la théophanie. The theophany of God. La théophanie de Dieu. That means, c'est-à-dire, it has a form of a human being. Que ça a la forme d'un humain. He could appear in the fire furnace. Il pouvait apparaître dans la fournaise ardente. They say, we see there's a fourth man there. Il dit, nous avons vu, il y a un quatrième homme là-bas. He looks like a son of man. Il a l'air looks du like a son of man. Il a l'air du fils de l'homme. And then Ezekiel saw him. Ézéchiel l'a vu. In the middle of the wheels. Dans le milieu de roues. He said, "There's one." Il a dit qu'il y a un. Like the son of man. Comme le fils de Dieu, de l'homme. Hallelujah. So, and when Moses went to see him, et quand Moïse est allé le voir, he said, "Moses, you cannot see my face and live." Il dit, Moïse, tu peux pas voir mon visage et vivre. But I'll pass. Je veux passer. But you shall see me from the back. Et tu me verras par le dos. And Abraham said, he saw the back of a man. Et frère Branham dit, il a vu le dos d'un homme. It was that form. C'était cette forme. Hallelujah. Amen. So God. Alors Dieu. Must veil himself to become visible. Doit se voiler pour devenir visible. Because he is invisible. Parce qu'il est invisible. So he needs a veil. Il a besoin d'un voile. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. God needs you, my brother, my sister. Dieu a besoin de vous, mon frère, ma soeur. Somebody needs to see God. Quelqu'un a besoin de voir Dieu. But they can only see God through a veil. Mais ils peuvent pas voir Dieu au travers d'un voile. So you are the veil also. Alors vous êtes le voile aussi. That must reveal God to people. Qui doit révéler Dieu aux gens. We'll get there later on. On va y arriver plus tard. Let's start from the beginning. On va commencer du commencement. So Elohim stepped out of invisibility. Alors Elohim est sorti de l'invisibilité. And morphed himself. Et s'est fait amorphe. Changed form. A changé de forme. From the unseen. De l'invisible. To be made visible. Au visible. In question answer preached in 1960 for the same question answer. Now I'm going down paragraph 108. Alors dans la même prédication question et réponse on va descendre à au paragraphe 108. You keep that question answer. We'll continue. I'll also read 111. Now this logos. Maintenant ce logos. That was in him. Qui était en lui. Which was the spirit of God. Qui était l'esprit de Dieu. The anointing. Le oint. Non, l'onction. L'onction. Alléluia. Amen. I don't know if you see. That reason when they tell you, raison pour laquelle lorsqu'on vous dit, it was Christ in David.
C'était Christ dans David. It was Christ in Samson. C'était Christ en Samson. It was Christ in so and so. C'était Christ en celui-ci. Because that anointing. Parce que cette onction. When it came to the people. Quand ça vient sur les gens. They reveal. Ils révèlent. The characteristics. Les caractéristiques. Of God. De Dieu. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. What Branham said. Frère Branham dit. The gate of Gaza. Les portes de Gaza. They were so heavy. Étaient tellement lourdes. But when the anointing came. Mais lorsque l'onction est descendue. When Christ came. Lorsque Christ est descendu. On Samson. Sur Samson. He said the gates of Gaza. Il dit les portails de Gaza. They became light. Sont devenus légers. And he said you may have a heavy load today. Il dit tu peux avoir un grand fardeau aujourd'hui. But if the anointing came upon you. Mais si l'onction descend sur toi. Your problems become light. Tes fardeaux deviennent légers. Hallelujah. Amen. Because you're not the one carrying it. Parce que tu n'es plus celui qui les porte. It is Christ carrying your burden. C'est Christ qui porte tes fardeaux. You can't carry it yourself, my brother, my sister. Tu ne peux pas les porter toi-même. It is him. C'est lui. When the anointing comes. Lorsque l'onction vient. It is Christ. C'est Christ. And then you wonder. Et vous vous posez des questions. How did I come out of this situation? Comment est-ce que je suis sorti de cette situation? It is the angel of the Lord. C'était l'ange du Seigneur. Hallelujah. Amen. I want to go slowly. Do you get what I'm saying? Je vais aller lentement. Est-ce que vous suivez ce que je dis? This logos, ce logos, that was in him, qui était en lui, which was the spirit, qui était l'esprit, the anointing, l'onction, through the sanctifying grace of the blood, au travers du sang sanctifié. No. Au travers du sang qui sanctifie par la grâce, through the sanctifying grace of the blood. Brought many sons to God, a amené beaucoup de fils à Dieu, which is anointed with this same logos, qui sont oints par ce même logos. Hallelujah. Amen. He said, il through dit, the sanctifying grace of the blood, il dit au travers du sang de Dieu qui sanctifie, brought many sons to God. Plusieurs fils sont venus à Dieu. Amené plusieurs fils. Brought many sons to God. Amené plusieurs fils à Dieu. Which is anointed with this same logos. Qui sont oints par ce même logos. That means these sons of God. C'est-à-dire ces fils de Dieu. These children of God. Ces enfants de Dieu. They must identify the characteristics of God. Ils doivent identifier les caractéristiques de Dieu. Now when we go down to paragraph 111, alors lorsque vous descendez au paragraphe 111, it said, now on the day of Pentecost, il dit au jour de Pentecôte, it came down, il est descendu, that pillar of fire, cette colonne de feu, and broke apart like that, et s'est départagé comme ceci, and tongues of fire set up on each one of them, et des langues de feu se sont posées sur tout un chacun d'entre not eux, not their tongues. Pas leur langue, but the tongues of fire set upon each of them. De langues de feu se sont posées sur tout un chacun d'entre eux. Elected, élu, selected group, un groupe sélectionné, identifié by this pillar of fire, par cette colonne de feu, showing that God has separated himself into men, montrant que Dieu s'est départagé lui-même dans des hommes. Do you get it? Vous le saisissez? God, Dieu. The logos, le logos, separating himself into men, s'est départagé dans des hommes. God, Dieu, not in one person, pas en une personne. He is in his church universal. Il est dans son église universelle. Now, you that are taking note, listen now. Maintenant, vous qui prenez note, suivez. So number one, I say it was Elohim, the self-existing. Numéro un, je dis que c'était le Elohim, celui the qui great existe. Spirit. Par lui-même le grand esprit that nobody could see, que aucun ne pouvait that voir was invisible, qui est invisible, and that great Elohim, et ce grand Elohim stepped out of invisibility, est sorti de l'invisible and morphed himself, et s'est fait amorphe. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He took a form, il a pris la forme that could be visible, qui pouvait être visible, and that form, et cette forme was the pillar of fire, était la colonne de feu, was the logos, c'était le logos, was the anointing of the spirit, c'était l'onction de la parole. Hallelujah. Was the attribute of the fullness of God, était l'attribut de la plénitude de Dieu, and that logos, et ce logos
became flesh est devenu chair and dwelled et habitait in a human body dans un corps humain. That was the sacrifice qui était le sacrifice in the person of the Lord Jesus Christ dans la personne du Seigneur Jésus-Christ and the blood et le sang of his grace de sa grâce sanctified a people a sanctifié les gens and the people that have been sanctified et le peuple qui était sanctifié the elected group le groupe élu that same logos ce même logos that same anointing cette même onction that same pillar of fire ce même colon de feu divided itself s'est divisé into human beings dans des hommes making them sons and daughters of God faisant d'eux fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. So you see alors voyez that it's the Holy Ghost que c'est le Saint-Esprit when it's in you now en vous maintenant because it said parce qu'il dit in the three dispensations dans les trois dispensations you have the fatherhood vous avez la paternité you have the son of God vous avez le fils de Dieu. Amen. Amen. And you have the Holy Ghost. Et vous avez le Saint-Esprit. God in you. Dieu en vous. The hope of glory. L'espérance de la gloire. So you need to understand. Alors vous devez comprendre. The same logos. Le même logos. Separating itself in the believers. Se départageant dans les croyants. Amen. Amen. So that anointing. Alors cette onction. Came upon Jesus. Est venue sur Jésus. Jesus. Jésus. Is a body of flesh. C'est un corps de chair. Jesus, Jésus, his body has a beginning. Son corps a un commencement. It was conceived in Mary. Ce corps était conçu en Marie. And it was born. Et est né. It has a mother. Ça a une mère. And it has an adoptive father. Et ça a un père adoptif. So that body, donc ce corps, has to be born like yours and mine. Devait être né comme le vôtre et le mien. But that body mais ce corps did not come from a man. N'est pas venu d'un homme. That body ce corps was created by God himself. Était créé par Dieu lui-même. In other words, dans d'autres mots, God Dieu produced his own body. A produit son propre corps. It was God's own body. C'était le corps de Dieu lui-même. The body of Jesus, le corps de Jésus, it was not God borrowing his body. Ce n'était pas Dieu empruntant son corps. No. Non. He did not borrow the body of Jesus. Il n'a pas emprunté le corps de Jésus. It was his own body. C'était son propre corps. That's a great mystery. C'est le grand mystère. God Dieu was made flesh était rendu chair and dwelled among us. Et habité parmi nous. And Jesus said, et Jésus dit, if you see me, si tu me vois, you have seen God. Tu as vu Dieu. Nobody has never seen God. Personne n'a jamais vu Dieu. But the only begotten son, mais le fils unique, the only begotten son, le fils unique, has made him public, l'a rendu public. The only begotten son, mais le fils unique, has made God visible, a rendu Dieu visible. Great mystery, grand mystère, done from his glory, venant de sa gloire. Everlasting story. Histoire éternelle. How God came down. Comment Dieu est descendu. Lord, God condescending. Seigneur, Dieu condescendant. Elohim, the invisible. Elohim, l'invisible. Who stepped out of invisibility. Qui est sorti de l'invisible. Became the logos. Est devenu le logos. The word. La parole. It was a form. C'était une forme. Of a human being. D'un humain. A theophany. La théophanie. When the Bible says, quand la Bible dit, in the beginning, au commencement, was the word. Était la parole. In the beginning, donc au commencement, was the logos. Était logos. In the beginning, au commencement, was that theophany. Était la théophanie. It was not a book. Ce n'était pas un livre. It was not the Bible. Ce n'était pas la Bible. The Bible did not exist. La Bible n'a pas existé. In the beginning was the word. Au commencement était la parole. Was the person of God. Était la personne de Dieu. The person of eternal life. La personne de la vie it éternelle. Was a theophany. C'était la théophanie. And they say in the beginning. Et on dit au commencement. Was the logos. Était logos. The word. La parole. And the word was with God. Et la parole était avec the Dieu. The logos. Le logos. Was with God. Était avec Dieu. And the word. Et la parole. Was God. Était Dieu. The logos. Le logos. Was God. Était Dieu. And everything was created by the word. Et tout était créé par la parole. Everything was created by the logos. Tout était créé par le logos. Alléluia. Amen.
So everything, donc tout, it's his creation. C'est sa création. So that logos, donc ce logos, was Jesus Christ, était Jésus Christ, in a theophanic being. Dans un être théophanique. Before avant, he became flesh in the body that came from Mary. Qu'il devienne chair dans ce corps qui est sorti de Marie. He existed before. Il existait avant. And then he came dwell in the flesh. Et il est venu habiter dans la chair. But you and I, mais vous et moi, we bypass our theophany. Nous avons contourné notre théophanie. We never existed before. Nous n'avons jamais existé auparavant. That reason we don't know everything. Raison pour laquelle nous ne connaissons pas toutes choses. But Jesus knew everything. Mais Jésus connaissait toutes choses. Because he was. Parce qu'il était. He told them, he said, il leur a dit, before Abraham was, avant que Abraham n'ait fut, I am. Je suis. Glory to God. Amen. I was in the beginning. J'étais au commencement. I am the creator. Je suis le créateur. I am the alpha and the omega. Je suis l'alpha et l'oméga. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. If you understand, give me an amen, please. Si vous comprenez, donnez-moi un amen, s'il vous plaît. I don't want to go too fast. Je ne veux pas y aller trop vite. How many understand that this Elohim stepped out of invisibility? Combien ont compris qu'Elohim est sorti de l'invisible? Say amen. Dites amen. How many understand that when Elohim stepped out of invisibility, he took a form to be visible? Combien comprennent que lorsque Elohim est sorti de l'invisibilité, il a pris une forme pour devenir visible? And that form, et cette forme, was called the logos. Était appelée le logos. That form, cette forme, was the pillar of fire. Était la colonne de feu. That form, et cette forme, was the theophany of God. Était la théophanie de Dieu. Hallelujah. Amen. The logos. Le logos. Amen. The word. La parole. And that theophany, et cette théophanie, of God, de Dieu, became, est devenue, flesh, chair. That reason, raison pour laquelle, for you to be a son of God, pour que vous soyez fils de Dieu, you must come out of the theophany of God. Vous devez sortir de la théophanie de Dieu. You must be begotten by the theophany of God. Vous devez être conçu par la théophanie de Dieu. There's no other way. Il n'y a pas autre façon. You could be a son of God, d'être fils de Dieu, without being a theophany. Sans être une théophanie. Because the children of God, parce que les enfants de Dieu, are not flesh and blood, ne sont pas chair et sang. These are just the veil. Ça, ce sont juste de voiles. But the children of God, mais les enfants de Dieu, they must be theophany, doivent être théophanie. As their father, comme leur père, was, était. Hallelujah. Amen. So when God stepped out of invisibility, lorsque Dieu est sorti de l'invisible, he became the word, il est devenu la parole. A theophany. Théophanie. And that theophany, et cette théophanie of God, de Dieu, is what was covered, c'est ce qui était couvert, by a body called Jesus Christ, par un corps appelé Jésus-Christ. And it was him, et c'était lui, inside that controlled that body, Jesus Christ, à l'intérieur qui contrôlait ce corps Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. If you are the son of your father, si vous êtes le fils de votre père, you must be the same material than your father. Vous devez être le même matériel que votre père. Because you came out of your father. Parce que vous êtes sorti de votre you père. Must be your father material. Vous devez être le matériel de votre so père. If you are a son of God, si vous êtes le fils de Dieu, a daughter of God, une fille de Dieu, you must be God's material. Vous devez être le matériel de and Dieu. Material that came out of God, le matériel qui est sorti de Dieu, was that theophany, c'était cette théophanie, that logos, ce logos, that reason, raison pour laquelle, on the day of Pentecost, dans le jour de Pentecôte, it divided itself. Il s'est subdivisé and entered that logos, et est entré, ce logos entered into human beings, est entré dans des êtres humains and they became sons and daughters of God. Et ils sont devenus fils et filles de Dieu. God, Dieu, that logos, ce logos has to be there, doit être là. But Frère Boris, you mean that theophany is in us? No. Alors Frère Boris, vous dites que la théophanie est en nous? Non. Don't say that. Ne I dites pas ça. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. We need a balance here. On a besoin de l'équilibre ici. I'll get back to that later on. Je veux revenir là-dessus plus tard. Let's move on here. On va continuer ici. Frère Branham dit dans la voix du signe. Preach in 1964. Prêchez en 1956. In 1956. He said one day. Il dit un jour. He saw a young man. Il a vu un jeune homme. Coming. Venant. Walking down.
marchant. He saw that pillar of fire. Il a vu cette colonne de feu. In the form of a dove. Sous la forme d'une colombe. Coming down from heaven. Descendant du ciel. Alléluia. So that which came out of God. C'est-à-dire que cela est sorti de Dieu. Ce qui était sorti de Dieu. Ce qui était sorti de Dieu. Alléluia. That stepped out in invisibility. Ce qui est sorti de l'invisible. No, that stepped out in visibility. Ce qui est sorti et qui est devenu visible. Amen. That pillar of fire. Cette colonne de feu. When John the Baptist was baptizing Jesus. Lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus. Frère Branham dit. It came down in the form of a dove. Frère Branham dit qu'il est descendu sous forme d'une colombe. In the form of a dove. Sur la forme d'une colombe. Coming down from heaven. Venant du ciel. And a voice saying. Et une voix disant. This is my beloved son. Celui-ci est mon fils unique. In whom I am pleased to dwell. En qui me suis plu d'habiter. Says whom I'm pleased to dwell. Celui en qui je me suis plu d'habiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. And then was fulfilled this scripture. Et il a accompli l'écriture. John 1:14. Jean 1:14. And the word. Et la parole. And the logos. Et le logos. Was made flesh. Était rendu chair. And dwelt among us. Et habité parmi nous. And we beheld his glory. Et nous avons été. Nous avons contemplé sa gloire. Amen. The glory is of the only begotten of the Father. La gloire du Fils unique du Père. Full of grace and truth. Rempli de vérité et de grâce. The same pillar of fire. La même colonne de feu. The logos. Le logos. That led the children of Israel. Qui a conduit les enfants d'Israël. Became fully identified and manifested in the Son of God. Est devenu totalement et entièrement manifesté dans les fils de Dieu. And the word to dwell. Et le mot demeurer means to tabernacle. Veut dire tabernacler. So the logos, c'est-à-dire le logos, the pillar of fire, la colonne de feu, tabernacled, a tabernaclé in Jesus Christ, en Jésus Christ. He was the tent of God. Il était le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So when they tell you, alors lorsqu'on vous dit, the pillar of fire. La colonne de feu that led the children of Israel, qui a conduit le peuple d'Israël, it was the angel of the covenant, était l'ange de l'alliance. They tell you, on vous dit, it is Jesus Christ. C'était Jésus Christ. Alléluia. Amen. It was when he was in his supernatural form, lorsqu'il était dans sa forme surnaturelle, before he took on a body of flesh came out of a woman, avant qu'il ne prenne le corps de chair qui est sorti d'une femme. Because he that was in him, parce que c'est lui qui était en lui, was he that was there. C'était lui qui était là. Amen. 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 So God, donc Dieu, is able to create a body without coming through a woman. Est capable de créer un corps sans passer par la femme. Because when he came to visit Abraham, parce que quand il est venu visiter Abraham, the same angel of the Lord, le même ange du Seigneur, veiled himself in a human flesh. S'est voilé dans la chair humaine. He went to visit Abraham in Genesis chapter 18. Il est parti visiter Abraham dans Genèse 18. He turned his back. Il a tourné son dos. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, he was the messenger of the covenant. Il était le messager de l'alliance. And in his prayer, et dans sa prière, he said, Lord, let the messenger of the covenant, il a dit, Seigneur, puisse le messager de l'alliance, who discern the thoughts of the heart, qui discerne le pensée de cœur, come and discern the thoughts of the people, venir et discerner les pensées des gens. Amen. 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 There, et là, he made a body. Il a formé un corps. He just called the 16th element and he entered into that body to appear before Abraham. Il a juste appelé les 16 éléments qui se sont formés d'un corps dans lequel il est entré pour visiter Abraham. The same angel of the Lord, le même ange du Seigneur, could take a human form, pouvait prendre la forme humaine, appear, apparaître, and disappear, et disparaître. He can just
Come in your bedroom. Il peut simplement apparaître dans votre chambre. When all your doors are locked. Alors que toutes vos portes sont fermées. In your bedroom. Dans votre chambre. And then you open your eyes. Et vous ouvrez vos yeux. You see a man standing. Vous voyez un homme qui se tient là. How did he get there? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Alléluia. Amen. And then he talked. Et il parle. After he's done talking. Quand il a fini à parler. He doesn't walk out. Il ne marche pas pour sortir. No, he just vanished. Non, il disparaît tout from simplement. Your sight. De ta vue. A human being, un être humain. But he just, vanished. Mais il va simplement se volatiliser comme ceci. Comme ça, et puis il apparaît. Disappear. Et comme ceci, he could appear, he could disappear. Il disparaît, il apparaît. Alléluia. Amen. Isn't God wonderful? N'est-ce pas qu'il est merveilleux, Dieu? Now you see that power. Alors voyez cette puissance. Who can stop that person? Qui peut arrêter cet homme? It's God himself. C'est Dieu lui-même. No, Brother Branham said. Alors frère Branham he dit. He came down. Il est descendu. To deliver the children of Israel. Pour délivrer les enfants d'Israël. He said it was the angel of the Lord. Il dit c'était l'ange du Seigneur. It was Christ. C'était Christ. In his form before he entered a human body. Dans sa forme avant qu'il entre dans la forme humaine. I forget what I was saying here. J'ai oublié ce que je voulais dire who ici. He could enter into human body like he did in Genesis chapter 18. Il pouvait entrer dans la forme humaine telle qu'il avait fait dans Genèse 18. But when he came and dwelt in Jesus Christ. Mais quand il est venu demeurer en Jésus-Christ. That was a body born of a woman. Là, c'était un corps né d'une femme. To suffer like you. Pour souffrir comme vous. So God humbled himself. Alors Dieu s'est humilié. He took God, became a baby, Jehovah, a baby. Dieu est devenu un bébé, Jéhovah, le bébé. Jehovah. Jehovah. Now. Maintenant. He did that because he had to provide a sacrifice for fallen race of Adam. Il a fait cela parce qu'il devait fournir d'un sacrifice pour la race déchue d'Adam. The man in Genesis 18, l'homme de Genèse 18 could not die at the cross, ne pouvait pas mourir à la croix for you and me, pour vous et moi. But Jesus Christ, mais Jésus-Christ died at the cross, est mort à la croix because he took your pain, parce qu'il a pris votre peine, he took your sickness, il a pris votre maladie, he took your transgressions, il a pris vos transgressions, he took your iniquities, il a pris vos iniquités, he became sin. Il est devenu péché. Because he was born of a woman. Parce qu'il était né d'une femme. God became man. Dieu est devenu un homme. Because man. Parce que l'homme. Needed a kinsman redeemer. Avait besoin d'un parent rédempteur. God became kin to man. Dieu est devenu un parent. Proche parent. Yeah. He became kin to man. Il est devenu un proche parent God. De l'homme. Dieu. That's what they call him Emmanuel. Raison pour laquelle on l'appelle Emmanuel. God with us. Dieu avec nous. The name is self-explanatory. Le nom s'explique. Emmanuel. Emmanuel. God with us. Dieu avec nous. Let's go to the message, the unveiling of God. Dans la prédication, Dieu dévoilé. I like this quote. J'aime cette citation. You see, Brother Branham said. Vous voyez, frère Branham dit. In that form. Dans cette forme. The Logos. Le Logos. When he was leading the children of Israel, quand il était avec les enfants d'Israël, he told Moses, il a dit à Moïse, to build a temple, de construire un temple, because God, parce que Dieu, was looking for a temple, il cherchait un temple, he wanted to dwell in a temple, il voulait habiter dans un temple, and he gave them, il leur a donné, all the details, tous les détails, on how to build the temple, de comment le construire. Now when the temple was finished, alors lorsque le temple était terminé, God came down. Dieu est descendu. He entered the holiest of holies. Il est entré dans le lieu saint. Now that temple, alors ce temple, was made with badger skin. Était fait de peau de blaireau. De blaireau. Amen. So God, alors Dieu, entered that temple. Est entré dans ce temple. And Brother Branham said, et frère Branham dit, since the pillar of fire entered into the temple, depuis que la colonne de feu est entrée dans le temple. It has never came out. Ce n'est plus jamais sorti. People never saw it again. Les gens ne l'ont plus jamais vu. People never saw it again. Les gens ne l'ont plus jamais vu. Until Jesus Christ. Jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. It was a type. C'était un type. That when that temple.
que lorsque ces temples is veiled, est voilé, oh no, when that pillar of fire, lorsque cette colonne de feu gets into its temple, entre dans son temple, that reason, John said, raison pour laquelle Jean a dit, I'm going ahead. John said, Jean a dit, the messenger of the covenant, le messager de l'alliance, shall enter into his temple, va entrer dans son temple, the pillar of fire, la colonne de feu, the logos, le logos, the Christ, le Christ, that was there, celui qui était là, in the beginning, au commencement, shall enter into his temple, entrera dans son temple, and once he entered into his temple, et une fois qu'il entrait dans son temple, people could not see him anymore. Les gens ne vont plus le when voir. Jesus was on earth, lorsque Jésus était sur terre, people could not see the pillar of fire. Les gens ne pouvaient pas voir la colonne de feu. But after his death, mais après sa mort and resurrection, et résurrection, people could again see the pillar of fire. Les gens pouvaient encore voir la colonne de Alleluia. Feu. Amen. With Brother Branham, avec Frère Branham, people could see the pillar of fire. Les gens pouvaient voir la colonne de feu. People could see it. Les gens pouvaient la voir. But with Jesus Christ, mais avec Jésus-Christ, no one could see the pillar of fire. Personne ne pouvait voir la colonne de feu. Because the pillar of fire was made flesh. Parce que la colonne de feu était rendue chair. All of it was made flesh and dwelling in the human being. Tout ce qui était de la colonne de feu était fait chair dans Alleluia. L'humain. Amen. Now remember, alors rappelez-vous, remember, rappelez-vous, the pillar of fire, la colonne de feu, is the attribute, c'est l'attribut of God's de Dieu. Fullness. Dans sa plénitude. Listen, Mount Zion. Suivez Mount Zion. This is deep teaching. I don't want you to get confused. Ça c'est un enseignement profond. Je veux pas que vous vous égariez. When I'm preaching here, lorsque je prêche ici, I'm showing you quotes of the prophet. Je montre les citations du prophète. I'm going to get into it now. Je veux y entrer. But let me show you something here first. Mais je veux vous montrer quelque chose. The pillar of fire, la colonne de feu, is the fullness. C'est la plénitude. Is the attribute of God's fullness, right? C'est l'attribut de la plénitude de Dieu. On the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, the pillar of fire, la colonne de feu, divided itself, s'est subdivisé, into human beings, dans des humains. Now, do you mean that the pillar of fire is finished? Alors, vous voulez dire que la colonne de feu est terminée? Like it went into people. No, we don't have it now. Well, bon, elle est entrée dans les gens, dans mon la plus. That is a carnal thinking. Ça, c'est une réflexion charnelle. Because while the pillar of fire entered into, divided itself into people. Parce que lorsque la colonne des feux s'est subdivisée dans des gens. Paul saw it on his way to Damascus. Paul l'a vu lorsqu'il allait sur le chemin de Damas. Does it mean it came out of the people? Ça veut dire que c'est sorti des gens? It just said that pillar of fire. Cela veut simplement dire que la colonne de feu. Is the attribute of God's fullness. C'est l'attribut de la plénitude de Dieu. So the fullness of God went into His church. Donc la plénitude de Dieu est entrée dans son église. His attribute of fullness. Son attribut de plénitude. The attribute of God's fullness. L'attribut de la plénitude de Dieu. He has given it to the church. Il a donné cela à l'église. Alléluia. Amen. But Paul. Mais Paul, he could still see the pillar of fire on his way to Damascus. Il pouvait toujours voir la colonne de feu sur son chemin vers Damas. It was still God. C'était toujours Dieu. It was still the fullness of God. C'était toujours la plénitude de Dieu. The attribute of God's fullness. L'attribut de la plénitude de Dieu. He could appear here. Il pouvait paraître ici et là. It's still the same God. Il est toujours le même Dieu. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Listen. Suivez. The unveiling of God, preached in 1964. Dieu dévoilé, prêché en 1964. 14 of June. Les 19 juin. 14. Les 14 juin, pardon. Paragraph 105. Paragraph 104. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. God was hid. Dieu était caché. Dieu était caché. When he was on his mercy seat. Lorsqu'il était sur son trône de miséricorde. On the mercy seat. Dans le trône de miséricorde, by a veil, par un voile, that means in the holiest of holies, c'est-à-dire dans le lieu très saint. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, God was in his temple. Dieu était dans son temple. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, God, Dieu, was in his temple. Était dans son temple. But the people, mais les gens, come in and worship like this, sont venus adorer comme ceci. But remember, rappelez-vous, there was a veil. Cependant, il y avait un voile. Amen. Amen. That hid God. Qui cachait Dieu. They know God was there. Ils savaient que Dieu était là. They couldn't see him. Ils ne pouvaient pas le voir. That pillar of fire. Cette colonne de feu. Never appeared anymore there.
n'est plus jamais apparu. Did you notice? Vous avez remarqué? There's not one time in the scripture. Il n'y a pas une seule fois dans l'écriture. From the time that pillar of fire went in behind that veil. Du moment où la colonne de feu est partie derrière ce voile. Which was his temple. Qui était son temple. So when the pillar of fire went into his temple. Donc lorsque la colonne de feu est entrée dans son temple. It could not appear anymore. Ça ne pouvait plus apparaître. That was Jesus said. C'est ce que Jésus a dit. It's good that I go. C'est mieux que je m'en aille. Because if I don't go, parce que si je ne m'en vais pas, I'll keep it in my temple. Je veux garder ça dans mon temple. I need to go. Je dois m'en aller. And then send it back. Afin de l'envoyer. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. He was packing it. It was his. Il partait avec, c'était pour lui. But now he's sharing it with the church. Maintenant, il a partagé he's avec sharing it with us. Il le partage avec nous. Listen. Suivez. There's not one time in the scripture. Il n'y a pas une seule fois dans l'écriture. From the time that pillar went in behind that veil. Du moment où cette colonne de feu est partie derrière ce voile. And that it ever shone again. Et maintenant, ça ne s'est plus jamais fait voir. Till it come from Jesus Christ. Jusqu'à ce que cela n'est venu que de Jésus-Christ. Yeah? It ever shone again. Ça ne s'est plus fait voir. Till it come from Jesus Christ. Jusqu'à ce que c'est venu de Jésus-Christ. God was veiled. Dieu était voilé. When he stood on earth, quand il s'est tenu sur terre, he said, il a dit, I come from God. Je viens de Dieu. I go to God. Et je vais à... Then Paul, et Paul, after his death, burial and resurrection on his road to Damascus. Après sa mort, ensevelissement et résurrection, sur son chemin vers Damas, there was the pillar of fire. Il y avait la colonne de feu là, encore. What was it? Qu'est-ce que cela était? Out from behind the veil. Sortant de derrière le voile. Derrière le voile. Glory to God. Amen. Amen. You see that, church? Vous voyez cela, Église? If you see, say amen. Si vous le voyez, dites Amen. You see that? Vous le voyez? Is it confusing? Est-ce que c'est... ça prête so confusion? The angel of the Lord, alors l'ange du Seigneur, is God himself amorphé. C'est Dieu lui-même amorphe. God coming as an angel. Dieu venant comme un ange. What Branham said, Frère Branham dit, it's a manifestation of God. C'est la manifestation de Dieu. God manifesting himself as an angel. Dieu se manifestant comme un ange. As a light. Comme une lumière. To appear. Pour apparaître. To achieve something. Pour accomplir un but. To confirm his covenant. Pour confirmer son alliance. Because God made a covenant. Parce que Dieu a fait une alliance. And when the angel of the covenant comes. Et lorsque l'ange de l'alliance est venu. He comes to make sure that the covenant is kept. Il vient s'assurer que l'alliance a été respectée. Because he made a covenant. Parce qu'il a fait l'alliance. With Adam. Avec Adam. If you do, I will. Si tu fais, je ferai. Adam failed. Abraham a échoué. He made a Adam covenant. A échoué. In the time of Noah. Il a fait l'alliance à l'époque if de you Noé. Do, si tu fais, I will. Je ferai. The covenant failed. L'alliance a échoué. Now he made a covenant. Maintenant il a fait l'alliance with Abraham. Avec Abraham. And he wanted, he said, not if you will. Il a dit pas si tu vas. No, I will. Je vais. I will. Je vais. I will. Je vais. I will. Je vais. Now to make sure. Maintenant pour s'assurer. That Abraham. Qu'Abraham and his seed after him et sa sémence après lui kept in the covenant, sont restés dans l'alliance. God himself Dieu lui-même must come down doit descendre as an angel of the covenant comme un ange de l'alliance to protect the covenant. Pour protéger l'alliance. Because he has to fight for you. Parce qu'il doit he has to walk before you. Combattre et marcher devant he has toi. To give you victory. Il doit vous donner la victoire. Because you cannot make it yourself. Parce que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Il dit, I cannot depend on him anymore. Il a dit je ne peux plus dépendre de lui. I depend on my own decision. Je ne dépends plus que de ma propre I décision. I have made thee. Je fais de toi. I will. Je vais. I will. Je vais. I will. Je vais. Isn't God wonderful? N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Dieu? God. Dieu. Coming down. Il est descendu. To take the children of Israel out.
pour sortir les enfants d'Israël. He said, it was not Moses, il a dit, c'était pas Moïse, but the angel of the covenant, mais l'ange de l'alliance, who delivered them from Egypt, qui les a délivrés d'Égypte, who performed the miracle, qui a fait de miracles, who opened up the Red Sea, qui a ouvert la mer Rouge, who was with them in the wilderness, qui était avec eux dans le désert, who gave them food, qui leur a donné de la nourriture, and who guided them to the land of promise, et qui les a guidés dans la terre de promesse, parce que Dieu a fait une alliance with the seed of Abraham, avec la semence d'Abraham. It says, thy seed, il a dit ta semence, will spend 400 years, va rester pendant 400 ans. But I'll come myself to deliver them. Mais je descendrai moi-même pour les délivrer. God has made a covenant. Dieu a fait l'alliance. He has to come and fulfill it. Il doit descendre pour l'accomplir. How, in which form? Sous quelle forme? When God becomes visible, lorsque Dieu devient visible, he amorphes himself. Il s'amorphe lui-même. He becomes an angel. Il devient un ange. Of the covenant. De l'alliance. He becomes an angel. Il devient un ange. The messenger. Le messager. Of the covenant. De l'alliance. He becomes a light. Il devient une lumière. The pillar of fire. La colonne de feu. Hallelujah. And what about the message? How the angel came to me and his commission. Dans le message, comment l'ange m'est apparu et sa commission. Brother Branham saw the angel of the Lord. Frère Branham a vu l'ange du Seigneur. It was God himself. C'était Dieu lui-même. Hallelujah. Amen. I want to talk about something here. Je veux parler à propos de quelque chose ici. But it will take me time. Mais ça va me prendre du temps. I want to talk about when the Bible says he was the beginning. À propos de lorsque la Bible dit qu'il était le commencement. The beginning of God's creation. Le commencement de la création de Dieu. It's not the creation there. Ce n'est pas la création là-bas. That the physical creation God finished there. La création physique, Dieu l'a fini là-bas. It says actually it should read. Il dit en fait. On devait écrire ça de cette façon. He is the beginner of the creation. Il dit qu'on devait plutôt écrire ça de cette façon. Il est le commencement the beginner de la création. Or the author of the creation of God. Le commencement et le, no, ou l'auteur. The beginner. The beginner. Comme celui qui commence ou celui ou l'auteur de la création de Dieu. Amen. Amen. Because parce que there, Brother Branham speaks, says, là-bas, Frère Branham parle, il dit, you know, when God came into the womb of a woman, lorsque Dieu est venu dans le sein d'une femme, it was a new creation. C'était une nouvelle créature. When God and man became one, lorsque Dieu et l'homme deviennent un, that was a new creation. Ça, c'était une nouvelle création. That reason, raison pour laquelle, the new birth, la nouvelle naissance, it's a new creation. C'est une nouvelle création. So he's the beginner. Alors il est le commencement. He's the beginning. Au commencement. Of this creation here. De cette création. Where God and the flesh become one. Où Dieu et la chair deviennent un. Hallelujah. Amen. And that's what it explains in Ephesians and in Colossians. I don't want to get into that now because I want to finish my thought on the angel of the covenant. Et c'est qu'il explique dans Éphésiens et dans Colossiens. Je ne veux pas y aller parce que je veux finir mon message sur l'ange de l'alliance. The angel of the covenant. L'ange de l'alliance. So Brother Branham says. Alors Frère Branham dit. Not Moses. Pas Moïse. Moses never performed one miracle. Moïse n'a jamais opéré un seul miracle. It was the angel of God. C'était l'ange de Dieu. That went before Moses. Qui est venu au devant de Moïse. It was a pillar of fire. C'était la colonne de feu. At night. La nuit. And a cloud of, and a cloud by day. Et la nuit et le jour. And when you see the picture that we are going to show you shortly. Et lorsque tu vois l'image qu'on va vous montrer if bientôt, we haven't, si on l'a, I believe you feel that it's the same pillar of fire. Tu verras que c'est la même colonne de that feu. Leading the people today. Qui conduit le peuple aujourd'hui. The angel of God. L'ange de Dieu. Which we know the angel that led Moses was the angel of the covenant. Qui est l'ange qui a conduit Moïse, qui était l'ange de l'alliance. Amen. Which was Christ. Qui était Christ. The Son of God. Le Fils de Dieu. How many understands now? Combien ont compris maintenant? Hallelujah. There's no confusion. Il n'y a pas de confusion. So the angel of the Lord. Alors l'ange de Dieu. The angel of the covenant. L'ange de l'alliance. Will never be Brother Branham. Ne sera jamais Frère Branham. It's God himself. C'est Dieu lui-même. Hallelujah. Amen. That's what Brother Branham said. Raison pour laquelle Frère Branham dit. I'm not the Christ. Je suis pas Christ. Don't make me Christ. Ne faites pas de moi Christ.
He said, if you do, il dit, si vous le faites, I'll stop even preaching. Je vais même arrêter de prêcher. But even though he said it, mais quand bien même il a dit, there are still people, il y a toujours des gens, they want to make him God, qui veulent faire de lui Dieu. When he said, I'm not Jesus Christ. Alors qu'il a dit que je ne suis pas Jésus-Christ. I'm his servant. Je suis son serviteur. Alléluia. Amen. There's only one. Il y a seulement un seul who was found worthy. Qui était trouvé digne. Only one. Un seul who was found worthy. Qui était trouvé digne to take the book. De prendre le livre. Only one. Seulement un seul. The Lamb of God. L'agneau de Dieu. No prophet. Aucun prophète. No priest. Aucun prêtre. No one. Aucun sacrificateur. Was found worthy. Personne n'était trouvé digne to take the book. De prendre le livre. And to break the seals thereof. Et de rompre le sceau. Alléluia. Amen. The book of redemption. Le livre de la rédemption. Glory to God. Gloire à Dieu. I love the message. J'aime le message. Listen. Suivez. So the pillar of fire. Alors la colonne de feu. Is the angel of God. C'est l'ange de Dieu. The pillar of fire. La colonne de feu. Is the angel of the covenant. C'est l'ange de l'alliance. It is Christ. C'est Christ. The Son of God. Le Fils de Dieu. The Logos that came out of God. Le Logos qui est venu de Dieu. That delivered the children of Israel from Egypt. Qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. That came and dwelt and was made flesh. Qui est venu habiter et fait chair. Hallelujah. And that same pillar of fire. Et la même colonne de feu. Was promised. A été promis in the last days, dans les derniers jours. The pillar of fire shall return to the church in the last days. La colonne de feu retournera à l'église dans les derniers because jours. Christ, parce que Christ must be revealed again, doit être révélé une fois in de the plus. Ministry of the Son of Man. Dans le ministère du Fils de l'homme. So a Son of Man, alors un Fils de l'homme, revealed the Son of Man. Révélant le Fils de l'homme. So the pillar of fire, donc la colonne de feu, must come again, doit venir encore. Hallelujah. Amen. And borrow a body, et emprunter un corps. That body, ce corps, was not the temple of God, n'était pas le temple de Dieu. As was the body of Jesus Christ, tel qu'il en était pour Jésus-Christ. He borrowed that body, il a emprunté ce corps, to perform, pour opérer. What was to be performed? Qu'est-ce qui devait être opéré? Et frère Branham dit, I'm just standing there when he comes. Je me tiens simplement là lorsqu'il I'm vient. Just a witness. Je suis juste un témoin. It is not me. Ce n'est pas moi. It is him. C'est lui. I'm waiting for him. Je m'attends de lui. I'm waiting for him. Je l'attends. Jesus was not waiting for him. Jésus ne l'attendait pas. Barbara was waiting for him. Frère Branham l'attendait. Hallelujah. Then when he came down, et lorsqu'il est descendu, the identification was so perfect. L'identification était tellement parfaite. All the people said, jusqu'à ce que les gens ont dit, he must be Jesus Christ. Il doit être Jésus-Christ. But that's what he did. Mais c'est ce qu'il a fait. The pillar of fire was there. La colonne de feu était là. Christ. Christ. The attribute of the fullness of God. L'attribut de la plénitude de Dieu. It was God revealed. C'était Dieu révélé. In the human flesh again. Dans la chair humaine encore. Hallelujah. He was not revealed as a light. Il n'était pas révélé comme la lumière. No, he was not revealed as a whirlwind. Il n'était pas révélé comme, comme un tourbillon. No, it non. Was a human flesh. C'était une chair humaine qui a révélé the characteristics of the logos, le caractéristique du logos, of the messenger of the covenant, du messager de l'alliance, the revealer of the thoughts of men, le révélateur de pensées des hommes. Now God used and he borrowed the body. Non, Dieu l'utilise, il emprunte le corps to reveal that. Pour révéler. Hallelujah. Amen. To fulfill. Pour accomplir. Luke 17:30. Glory to God. Gloire à Dieu. As it was in the days of Sodom and Gomorrah. Comme il en était au jour de Sodome et Gomorrah. So shall it be in the coming of the Son of Man. Il en serait au jour de la venue de Christ. In the coming of the Son of Man. Dans à la venue des fils de l'homme. The Son of Man. De ce fils. Du fils de l'homme. Du fils de l'homme. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Let me give you a few scriptures here before we go. Je vais vous donner quelques écritures avant que nous ne concluions. So, Malachi 3, verse 1. Malachi 3, verset 1. I will never be able to finish, man. Je ne serai pas capable de finir. I don't want to go so fast. Je ne veux pas y aller vite. But I would rather come back on this again on Sunday to continue again.
Et je préférerais revenir le dimanche avant de conclure, avant parce que ça ne sert à rien de vous donner trop jusqu'à ce que vous n'êtes plus que confus. If you didn't get anything, si vous n'avez rien compris, send me a text. Faites-moi un message. Pastor, I want you to repeat this. I didn't get it well. I'll Pastor, be more than glad to do so. Je veux que vous répétiez ceci et cela. J'ai pas bien saisi. Je serai ravi de reprendre. To be in confusion. On veut pas qu'il y ait confusion dans qui que ce soit. And we don't want anybody. Nous voulons pas que qui que ce soit. To be troubled by somebody saying whatever they want to say. Soit troublé par quelqu'un qui a dit tout ce qu'il veut. We are reading quotes of the prophet. Nous lisons une citation du prophète. And we are reading as well the Bible. Et nous lisons aussi la Bible. I'm going to finish with some scriptures of the Bible and quotes as I let you go. Je veux conclure avec quelques versets de la Bible. Take your Bible in Malachi chapter 3 verse 1. Prenez votre Bible dans Malachie chapitre 3 verset 1. Malachi chapter 3 verse 1. Malachie chapitre 3 verset 1. Behold, I will send my messenger, and it shall prepare the way before me. And the Lord, whom you seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in. Behold, it shall come, saith the Lord of hosts. Lis en français, mon cher. Voici, j'enverrai mon messager. Il prépare le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Alléluia. What I'm seeing, the message, a true sign that overlooked, he said, that was John announcing the coming of Jesus. Frère Branham dit ça, c'était Jean qui annonçait la venue de Jésus. And he came to the temple. Et il est venu dans le temple. Exactly what he said. Exactement ce qu'il a dit. The messenger of the covenant. Le messager de l'alliance. The angel. L'ange. That was in the wilderness. Qui était dans le désert. With Israel. Avec Israël. Do you believe he was that messenger? Vous croyez que c'était ce messager? Well, he said, I come from God and I go to God. Qui a dit je viens de Dieu et je vais en Dieu. So what Branham said. Et Frère Branham dit, the messenger of the covenant, le messager de l'alliance, the pillar of fire, la colonne de feu, the angel of the covenant, l'ange de l'alliance, that was with the children of Israel, celui qui était avec le peuple d'Israël. Alléluia. Enter into his temple. Est entré dans son temple. His temple. Son temple. The body of Jesus Christ. Le corps de Jésus-Christ. In the message, why? Dans le message, pourquoi? Preacher 1960 says. I ask that you will grant that the message of the covenant. Je crois que vous allez comprendre. J'ai prié que tu puisses accorder que le messager de l'alliance. What one was praying? I ask that you will grant. Je prie que tu accordes. That the message of the covenant. Que le messager de l'alliance. That met Abraham. Qui a fait. Qui a rencontré. Qui a rencontré Abraham. Before the burning of Sodom. Devant, avant que le feu descende à Sodome. When he had his back turned to the tent. Lorsqu'il avait son dos tourné au temple. So Brother Bob says. Alors Frère Branham dit, in Genesis chapter 18. Dans Genèse 18. When three men came to visit Abraham. Lorsque les trois hommes sont venus visiter Abraham. One of them was in the middle. L'un d'entre eux qui était au milieu. He called him Elohim. Il a appelé Elohim. He said he was the angel of the covenant. Il a dit c'était l'ange de l'alliance. He was the messenger of the covenant. Il était le messager de l'alliance. He said the messenger of the covenant that met Abraham. Le messager de l'alliance qui a rencontré Abraham. So this messenger of the covenant. Donc ce messager de l'alliance. Who met Abraham? Qui a rencontré Abraham. Is the messenger of the covenant. Il est le messager de l'alliance. Who came to enter into his temple. Qui est venu entrer dans son temple. That John the Baptist. Que Jean Baptiste. Has announced. A annoncé the Lord that you are seeking, le Seigneur que vous cherchez, even the messenger of the covenant, même le messager de l'alliance, shall enter into his temple, doit entrer dans son temple. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. So when you see Jesus, lorsque vous voyez Jésus, it is the same one, c'est le même, who led the children of Israel, qui a conduit le peuple d'Israël, the same God, le même Dieu, the self-existing one, celui qui existe par lui-même. Alléluia. There's only one God. Il y a un seul Dieu. He comes in different manifestations. Il vient sous différentes manifestations.
Hallelujah. Amen. He said he eats barren milk and corn and bread. Il dit qu'il a mangé le pain, le miel, le lait. And then vanished right in the sight of Abraham. Et a disparu juste devant la vue d'Abraham. In the message, the path of life, he says. Dans le message, le sentier de la vie, preach 1962. Did you notice? Vous avez remarqué vous? On the day of Pentecost. Qu'au jour de la Pentecôte. How that his great pillar of fire. Comment est-ce que son grand, sa grande colonne de feu, which we all know was the messenger of the covenant, que nous savons tous qui était la, le messager de l'alliance. You all know that the pillar of fire is the messenger of the covenant. Vous savez tous que la colonne de feu c'est le somebody messager de l'alliance. Que quelqu'un dise amen. What about we all know? How many nous know? We all know. Combien savent? Nous le savons tous. The messenger of the covenant. C'est le messager de l'alliance. Which was Jesus Christ. Qui était Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Now take for me Job chapter 6. Alors, go to the Bible. Job chapitre 6. No, Judges. Juges chapitre 6. Let's go to Judges chapter 6. On va partir dans les Juges chapitre 6. And verse 11. Verset 11. Oh, I'm sorry, time is gone. I'll just finish with this, sorry. Le temps est parti, je veux conclure avec ça, désolé. Verse 11 says. Verset 11, Juges 6, 11. And there came an angel of the Lord and sat under an oak, which was in Ophrah, that pertained unto Josh, the Abzrite, and his son Gideon, threshed wheat by the wine press to hide it from the Midianite. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Amen. Amen. I go to verse 19. Je vais aller au verset 19. It says, dit, and Gideon went in and made ready a kid and 11 cakes of an ephah of flour. The flesh he put in a basket, and he put the broth in a pot and brought it out unto him under the oak and presented it to the man that was under the oak. It was a man. C'était un homme. But it was the angel of the Lord. Mais c'était l'ange du Seigneur. He veiled himself in a human flesh. Il s'est voilé dans la chair humaine. God. Dieu. Bottom says, Gideon met with God. Frère Branham dit, Gédéon a rencontré Dieu. And the angel of God said unto him, take the flesh and the 11 cakes and lay them upon this rock and pour out the broth. And he did so. Then the angel of the Lord put forth the end of the staff that was in his hand and touched the flesh and the 11 cakes, and there rose up fire out of the rock and consumed the flesh and the 11 cake. Then the angel of the Lord departed out of his sight. That means he vanished. C'est-à-dire qu'il est disparu. Is that what he said in French? Et ce qu'il dit en français? L'ange. Alors s'éleva un rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Vanished. Il disparut. What Branham says? Frère Branham dit. Gideon. Certainly was a scriptural man. Était un homme selon les Écritures. When the angel of the Lord said to him. Lorsque l'ange du Seigneur lui a dit. Now, if you notice. Alors si vous remarquez, it wasn't the angel of the Lord here. C'était pas l'ange du Seigneur ici. It said, il dit, the Lord, Dieu, capital L-O-R-D. It was not an angel. C'était pas un ange. It was God. C'était Dieu. It was a theophany. C'était la théophanie. In a man. Dans l'homme. In the form of God. Sous la forme de Dieu. Like appeared to Abraham back in the wilderness. Tel qu'il est apparu à Abraham dans le désert. And looked like a man. L'apparence d'un homme. So therefore, ainsi, being a messenger,
Il était le messager. So when God appeared as a man, lorsque Dieu apparaît comme un homme, he appeared as a messenger. Il apparaît comme un messager. He was the angel of the Lord. Il était l'ange du Seigneur. And he appeared to him. Il est lui est apparu. He said, "Thou mighty man of valor." Il dit, vaillant homme. Said he's going to take him. Il dit qu'il va le prendre. And deliver Israel by him. Et l'utiliser pour délivrer Israël. Alléluia. Amen. He knew that God was living in that monument of a man there. Il savait que Dieu vivait dans le monument de cet homme-là. And that was God. Et là, c'était Dieu. He called him Lord. Il l'appelait Seigneur. Of course, he disappeared. Bien sûr qu'il a disparu. He said, "An angel of the Lord." Il a dit l'ange du Seigneur. Which is just a manifestation. Qui n'est juste qu'une manifestation. An angel of the Lord. L'ange du Seigneur. Which is just a manifestation. Qui n'est rien qu'une manifestation. Like Jesus. Comme Jésus. Being the Son of God. Étant le Fils de Dieu. Yet he was God. Alors qu'il était God was in him. Dieu était en lui. But this is mais ceci est a manifestation. La manifestation. An angel of God. L'ange de Dieu. Like had met Abraham. Qui a rencontré Abraham. Yet Abraham called the man. Alors qu'Abraham a appelé l'homme. Capital Lord, L-O-R-D, Elohim. Seigneur au majuscule S-E-I-G-N-E-U-R, Elohim. Glory to God. Isn't God wonderful? Gloire à Dieu, n'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Gideon saw God. Gédéon a vu Dieu. Alleluia. It was a man. C'était un homme. He looks so tired. Il avait l'air fatigué. Sitting under an oak tree. S'asseyant sous le You, mighty man of valor. Huh? Me? Yeah, you, mighty man of valor. Toi, vaillant héros. And moi, he brought him a sacrifice. Et lui a apporté le sacrifice. The angel of the Lord consumed the sacrifice. Et l'ange du Seigneur a consumé le sacrifice. There. C'était Dieu lui-même là-bas. And we saw. On a vu. On Sunday how he spoke with Abraham. Le dimanche, comment est-ce qu'il a parlé avec Abraham? Il a dit Abraham. You have not refused. Thy son unto me. Tu n'as pas. The angel of the Lord, you didn't refuse unto me. Tu ne m'as pas privé ton fils. Hallelujah. Amen. It was God. C'était Dieu. So the angel of the covenant. Alors l'ange de l'alliance. Is God himself. C'est Dieu lui-même. Is the messenger of the covenant. C'est le messager de l'alliance. When he comes in the form. Quand il vient sous la forme. Of a man. D'un homme. Hallelujah. Amen. And we see the light. Et nous voyons la lumière. He came as an angel. Il vient comme un ange to guide them. Pour les conduire. He also comes. Il vient aussi as an anointing. Comme une onction. Hallelujah. Amen. Frère Branham said. Frère Branham dit. Moses was anointed by the angel of God. Moïse était oint par l'ange de Dieu. Hallelujah. Amen. That spirit come and anoint men to do things like God himself. Cet esprit vient oindre les gens pour qu'ils fassent des choses comme and Dieu that lui-même. Anointing, et cette onction. He send it in the church. Il envoie dans l'église. He has divided it. Il a divisé. Hallelujah. In the church. Dans l'église. The church. L'église. Everything that was in Christ. Tout ce qui était en Christ. Everything that was in Christ. Tout ce qui était en Christ. That fullness. Cette plénitude. God took it. Dieu a pris ça. And put it where? Il l'a mis où? In the church. Dans l'église. In the church. Dans l'église. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But we have a promise. Mais nous avons une promesse. That it shall be light. Qui aura la lumière in the evening time, au temps du soir. A human being, un être humain revealing the son of man, révélant le Fils de l'homme as it was in the east, tel qu'il en était à l'est on the rising of the sun, au lever du soleil so shall it be on the west, ainsi l'en sera à l'ouest on the setting of the sun, au coucher du soleil a human flesh, une chair humaine discerning the thoughts of men, discernant les pensées de l'homme, performing the sign of the Messiah, opérant les signes du Messie, as it was there, tel qu'il en était là-bas, there it was in his own temple, là-bas c'était dans son propre temple, on this side, de ce côté, is borrowing a body, il emprunte un corps. How many understand it now? Combien ont compris cela is maintenant? That clear? N'est-ce pas clair? There, là-bas, using his own body. Il utilisait son propre corps. Here, ici, is borrowing a body. Il emprunte un corps. He used it, il l'utilise. And when he's done, et lorsqu'il a fini, he leaves it. Il la laisse. But on this side, mais de l'autre côté, he say, if I do not go, il dit, si je ne pars pas, that pillar of fire, cette colonne de feu will not come back to the church. Ne reviendra it's pas à l'église. Good for me to go. Il est mieux que je m'en aille. But on this side, mais de ce côté, the pillar of fire, la colonne de feu came for a visitation, est venue pour une visitation. And perform it.
et a opéré. They could see to another sister. Ils pouvaient voir sur cette sœur, dans ce frère. Do you see there? Tu vois là-bas? The glow of fire is over here. La colonne de feu ici. Oh, I feel him now. Oh, je le sens maintenant. He's close to me now. Il est maintenant à côté de moi. Now he's even inside of me now. Maintenant, il est même en moi. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. It's great what God has done. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. And it shall be light in the evening time. Il y aura la lumière au temps du soir. God bless you, church. Que le Seigneur vous bénisse, Église. But give me a slow song. If you don't have it, I can sing myself. Donnez-moi une chanson douce. The friend we have in Jesus. Sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often fall. Pour prier. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence. Seigneur, nous avons écouté ta voix. Comment tu es venu de la gloire. Quelle histoire, oh Dieu. Toi, le grand Elohim. Celui qui existe par lui-même. Le grand Esprit. Le grand esprit, la fontaine de vie que personne n'ait jamais vu, qu'aucun homme ne peut voir. Seigneur, tu es sorti de l'invisibilité et tu es devenu chair, ô Seigneur.
Oh, mighty God. Oh, Seigneur. You took a form that could be seen. Tu as pris la forme qui pouvait être vue. You were even born in a manger. Tu es même né dans le mangeoire. Lord Jesus. Seigneur Jésus. You came as a man of sorrows. Tu es venu comme un homme de chagrin. Tears and agony. L'agonie et les larmes. We esteem you not, Lord. Nous ne t'avons pas estimé. People esteem you as stricken of God. Les gens t'ont considéré comme frappé de Dieu. But you bore our iniquities. Mais tu as pris nos iniquités. You, the self-existing. Toi, c'est lui qui existe par lui-même. You became kings to men. Tu es devenu un parent rédempteur. Lord, we thank you. Nous te remercions. For your condescending. Pour ta condescendance. How you came down. Combien tu es descendu. To take the place of man. De prendre la place de l'homme. Not only that, Father, pas seulement sa père. But you came and divided yourself into men. Mais tu es venu te subdiviser dans deux hommes. Said, et ton prophète dit. The message we should give to people. C'est le message qu'on doit donner aux that gens. The message we should bring to people. C'est le message qu'on doit apporter God aux gens. Dividing his life in human beings. Dieu subdivisant sa vie dans les autres. Otherwise, people would perish. Sinon les gens vont. Lord, here we are tonight. Nous vous y sommes, Père. We thank you for the message of the hour. Nous te remercions pour le message you de l'heure. Your children, que tu bénisses tes enfants. They grasp the great revelation of the deity of Jesus Christ. Pour qu'ils saisissent la grande révélation des œuvres de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient jamais confus dans leur pensée. De qui est Jésus-Christ. And how is identified in our midst. Et comment est-ce qu'il est identifié parmi nous. Even in the ministry of William Branham. Même dans le ministère de William Branham. How we've seen Christ identified. Nous avons vu Christ identifié. The same one. Le même. The same one that led the children of Israel. Le même qui a conduit le peuple d'Israël. The same one. Le même. In this Exodus. Dans cet exode. In the third Exodus. Dans le troisième exode. Taking out his people. Taking out his people. Sortant son peuple. Of out of denominations. De dénominations. Out of the world. Du monde. Out of Babylon. De Babylone. To take them to a better place. Pour les amener à un bon endroit. Thank you. Père, nous te remercions. Because it's not by might. Parce que c'est pas par notre capacité. Ni par notre puissance, but by your spirit, mais par ton esprit. May your angel go before us. Puisse ton ange marcher au-devant may nous. The angel of the covenant go before each one of us, Lord. Puisse l'ange de l'alliance marcher au-devant de and tout open un chacun up the way, et ouvrir le chemin where there seems to be no way. Là où il n'y a presque pas Lord, de you choix. Open up the Red sea. Seigneur, tu as ouvert la mer rouge. Lord, may you open the seas for your children. Seigneur, que tu ouvres la mer open pour the tes enfants. Mountains. Ouvre les montagnes. Open the doors that are locked. Ouvre les portes fermées. Open opportunities that are locked. Ouvre les opportunités fermées. Pour down blessings that are needed. Déverse la bénédiction venue. Marriage, mariage, joy, joie, jobs, bonheur. Oh God, social status, emploi, whatever they need, oh Father. Du social, tout ce dont ils ont besoin. Lord. Le dossier de l'immigration, la guérison, Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit, la délivrance au Père. Donne-le-leur au Père, au nom de Jésus. Tu es la même colonne de feu. Tu es le même ange qui a conduit le peuple d'Israël, qui s'identifie aujourd'hui dans ces jours. Dans le messager frère Branham dans son ministère. Lord, the simple of fire is with the church. Seigneur, la même colonne de feu est avec l'église. L'ange du Seigneur est avec l'église. Oh, God, may you reveal yourself. Oh Dieu, puisses-tu te révéler in the lives of your children. Dans la vie de tes we enfants. Thank you for your presence. Nous te remercions pour ta présence, ton Jesus, amour. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. And pray for me, we shall see you on Sunday. Priez pour moi, nous allons vous voir le samedi, le dimanche.